Cher lecteur, nous nous trouvons aujourd'hui dans un autre village de la Champagne viticole, à Passy-Grigny. Passy-Grigny, non loin de la vallée de la Marne, et nous nous trouvons avec un viticulteur de Passy-Grigny qui nous a fait plaisir immense de nous envoyer des échantillons. Vous aurez déjà probablement lu les commentaires, qui s'appelle Monsieur Laurent Lecard. Monsieur Lecard, bonjour. Bonjour. Merci d'abord de nous recevoir chez vous, avec vos champagnes. Pourriez-vous nous parler un peu de Passy-Grigny et nous parler de votre terroir? Oui, alors bienvenue à Passy-Grigny, au champagne Laurent Lecard. Nous vous remercions de votre visite. Passy-Grigny se situe au cœur de la vallée de la Marne, où on retrouve principalement le pinot meunier, le cépage pinot meunier, et bon, le pinot noir et le chardonnay est présent également. Notre exploitation repose sur 10 hectares, nous exploitons 10 hectares et nous mettons en valeur nos pinots meuniers et nous avons élargi notre gamme avec des millésimes, des chardonnays. Alors quel est justement, pour les gens qui savent évidemment qu'il y a trois cépages en champagne, le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay, quelle est la spécificité du pinot meunier? On connaît moins, généralement. Le pinot meunier est moins connu, mais il se distingue par son côté gourmand, fruité, on retrouve régulièrement des notes d'agrumes ou des notes de fruits jaunes. Et on a également aujourd'hui des cuvées qui permettent un vieillissement en cave avec beaucoup d'élégance, de la fraîcheur, pour le plus grand plaisir des gastronomes et des amateurs de champagne. Alors, je pense qu'il y a une spécificité ici, c'est que vous travaillez main dans la main avec une coopérative. Pourriez-vous nous expliquer? Oui, nous avons fait le choix d'adhérer à une union de producteurs. Nous avons choisi de mettre en commun des moyens financiers, des compétences humaines, afin de travailler, d'être à la recherche de la qualité. Et aujourd'hui, avec tous les efforts qui ont été faits, nous avons de nombreuses cuvées, pour la plupart, ont reçu de nombreuses récompenses. Et aujourd'hui, les vins sur notre secteur sont reconnus de qualité et qualitatifs. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.